L'ouverture s'est passée très très bien. Samedi, on a eu de la pluie, mais il y avait quand même beaucoup de monde, on n'a pas à se plaindre. Et alors hier, c'était le top du top. J'ai parlé à ma fille et ma fille m'a confirmé, je l'avais constaté hier. Ben, elle m'a dit qu'elle a battu tous les records, que c'était pour le moment sa plus grosse journée qu'elle a fait ici à la foire. Et ça, quand j'arrive le matin et j'entends ça, ça fait plaisir. Vous l'avez dit avec beaucoup de familles allemandes aussi qui sont venues durant le week-end, vu à cette publicité aussi dans la grande région. Dans la grande région, la publicité, ben, c'est ça qui rapporte ses fruits maintenant, ça fait depuis 4 ans. Hier, il y avait beaucoup des visiteurs allemands qui sont venus. Ça dépend aussi toujours un peu, il faut voir ça avec les écoles quand ça commence. Alors ils ont profité hier pour venir. Il y avait beaucoup de gens qui connaissaient la Schoberfort dans le temps, mais ils ne savaient jamais les dates. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la grande région pour faire la publicité avec la CLC et le POC. Et ça marche très bien. C'est mademoiselle Tania Bollendorf qui s'occupe de ça. Encore une fois, un grand merci à la CLC pour le beau travail qu'il faut pour les forêts ici. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette édition de la Schoberfauer, par rapport aux autres éditions? Qu'est-ce qui change cette année-ci? Il y a tout qui change. Il y a nous qui changeons aussi, on ne reste pas toujours les mêmes. Il y a les métiers qui changent, il y a le temps qui change, 2-3 fois par jour même. Non, qu'est-ce qui change? Ben oui, il y a toujours des changements. On trouve des nouveautés dans les manèges, on trouve dans le culinaire, on trouve des nouveautés. Moi, chaque année, je trouve autre chose ici qui a une idée et qui essaye de vendre ça ici. J'ai vu, il y a le falafel, ben non, c'est des kebabs végétariens. Je ne l'ai pas encore goûté, mais je vais le faire. C'est ça qui est nouveau. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces internautes qui se manifestent nous sur le site internet en disant la Schoberfauer, c'est trop cher? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Oui, qu'est-ce qui n'est pas cher aujourd'hui? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si vous voyez le matériel qui est exposé ici, ça rentre dans les millions, des millions d'euros. Il faut voir aussi les forêts, ils travaillent entre 100 et 120 jours qui a une entrée de recettes. Le reste, il n'y a rien. C'est de l'argent qui dort. Alors, c'est normal que... Moi, quand je vais dans les parcs, c'est cher aussi. Nous, on essaye toujours de rester. Oui, on peut toucher. On fait des journées à tarif réduit. On fait des journées à demi-tarif. On a des carnets pour les sociétés qui sont au prix réduit. On a toutes ces choses-là et voilà, il faut quand même une fois voir. Et moi, je trouve que c'est quand même pas trop cher. On peut venir à la foire et s'amuser ici une journée avec 50 euros. Je ne parle pas maintenant quand on va encore manger, mais avec 50 euros, on peut passer quand même encore une bonne journée.